Lancement de suspicion vidéo, ça prend du temps. Yo, les plaies, c'est blessé, c'est prêt pour la refermer. Aujourd'hui, je m'enflammerai pas seul car je suis bientôt prêt comme aujourd'hui, nous jouons à Pokémon comme tous les mardis de 13 de 16h, de 17h jusqu'à 19h. On est toujours sur la version de Pokémon que je vais. Alpha parce que tout simplement voilà, c'est ça. Comment s'appelle le maître des dragons? Et dragon démon à Peter. Quand j'ai dit pas Peter, c'est pas un problème pour moi, mais le gros problème c'est déjà Fèvre Singe là 55 de level au feu. Bah il va bientôt y avoir le extra au feu niveau 60. Est-ce que Dracofeu sera vraiment intéressant pour combattre contre Yann? J'ai l'impression que tout le monde va y passer au niveau niveau 62. En fait, Dracofeu, oui, c'est intéressant pour battre Pex parce qu'il a un Dracofeu lui aussi. Ah oui, et les dragons sont faibles face au football. C'est un attaque toute seule et c'est faible contre Dracofeu. De le mettre niveau 62. Ouais, vraiment long. Surtout c'est dans cette grotte où les Pokémon sont assez haut level, donc c'est le problème quoi. Ah bien sûr ça, bien sûr Sablero Sablero évite le flagration, bien sûr, comme c'est logique. J'enlève force. Moi j'enlève force depuis 2-3 lives déjà. Bonne chance de trouver l'attaque. Edex c'est ton meilleur ami. Moi je pèque Noctali parce que l'efficace contre type dragon c'est tu peux envoyer une attaque de type d'acier. Mais à quoi ça sert si ton Pokémon n'est que l'attaque de type d'acier? Ne... Bah meurs quoi. Ouais, s'il te plaît, ça fait deux fois que Gravalanche esquive ma queue de fer. Noctali, je veux bien comprendre qu'il ressemble à un caillou, mais quand même. Merde. Il a pas pris un seul level. Un truc qui peut être peut-être intéressant, mais il faut que je regarde s'il n'y a pas d'autres. Thank you.
Faut que je vais voir s'il y a pas été intéressant. Dragon. Can you speak English? Pas du tout. Voilà. Je parle anglais, mais je peux pas. Pas mal. Et oui, je vous donne une CT dragon s'il vous plaît. Là, ça c'est dragon. Ah, j'ai pas de thune. Bah tu peux pas avoir genre les pipites. C'était que tu utilises pas. C'est au pire, fais les charges VS. Va dans la grotte, fais les charges VS. Nid de rang mal apparaît. Et je vois un nid de king. Moi j'ai trouvé l'affaire. Je vais changer. Oh non, c'est le bruit d'une horde. Oh putain. Mais qu'est-ce que vous foutez là, une horde de psycho-couac? Quoi? Dans la grotte? Mais non, je vais faire la grotte à l'envers. Justement, charge VS. Je devrais peut-être le faire, charge VS, ouais. Mais j'ai plus force. Ah, bah j'ai plus force. Ah, c'est ciao. Ouais, parce qu'il faut force pour toucher les rochers. Au pire, j'ai toujours le l'ordre de dresseur. Juste tu prends l'échelle, t'as les l'ordre de dresseur directement. Oui, oui, les deux gonzesses là. Ouais, les c'est les gonzesses et. Ah, c'est un couple. Voilà. C'est vrai qu'ils devaient venir mettre Pokémon ensemble. Ouais. Nidoqueen et Nidoking. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi. Combien? 51. Oh, ça va. Ou du pire. Fenard et Nidoking? Un fenard? Ah mais j'ai fait séisme. Il y a une autre allée qui va pencher. Bah oui. Quelques points d'XP et quelques points de vie perdus juste pour battre deux Pokémon, ça va? Gagne au change. Ouais, moi là, de retrouver c'est quasiment fait OS avec l'éboulement. Ah c'est vrai qu'ils ont tué. Vous êtes totalement sapé.
Ah, Noctali Mantine. Je vais apprendre Terra. Le capitaine ne peut être utilisé qu'après que le lanceur utilise tous les autres. Ah! Vous avez battu le cul plus cool. Elle est cool. Pour moi, faut que je sois une drac au feu. Pour te dire, il a plus que 27 HP. Elle est boulement, il a fait mal. Hein. Tu sais, moi, c'est quoi mon problème? Battre le couple, c'est tout. Ils essayent. Qui a pris cher avec le save? Et tout plasma. Donc, t'as dit. J'ai tenté. Bah, moi aussi. J'aurais pu utiliser Crado Vague par Ectoplasma. Le problème, c'est que Dracofeu aurait pris cher aussi. Ouais, mais après, j'ai gagné au change, quoi. Ouais, si tu fais pas West, tu vois. Yo, c'est le Moon. Yo, comment ça va? On est rentré. On va pas de suite en bosser que ça. Attends, ouais. Je vais dérocher. On avait un atelier pendant 2 heures, on travaille 3 heures l'après-midi. Et après, il y a Javalo. Un mec un gros rageux de insulter nos darons tout simplement parce qu'on lui a dit de pas prendre le portail pour sauver sa putain de vie. Bah perso j'aurais préféré mieux qu'il crève. À part ça franchement demain j'ai une journée de repos, franchement je suis content. Je sens que. Yo Tigre Blanc, comment tu vas? Il y a fermeté, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai que Sage n'affecte pas Dracofeu. Moi ça va et toi? Comme j'ai dit à Sun and Moon, on vient de finir un boulot qui est pas trop crevant. Demain notre journée de repos. Et on a décidé un petit peu de jouer à Valo avant le live. C'est pour ça le 10 minutes de retard par contre. Et il y a un autre teammate qui nous a insulté nos darons. Tout simplement parce que je voulais lui sauver la vie en disant de ne pas prendre le portail sur Bind. Et il mourrait à chaque fois là-bas. Bon après j'ai fait un ticket pour le report bien sûr. Mon but c'est qu'il soit ban. Parce que c'est carrément un comportement toxique. Attention, je dis pas que je suis pas toxique sur le jeu. Mais j'essaye de le devenir moins. Oh. À part ça, Valo du coup, vu qu'on joue plus à Overwatch, on a décidé de mettre Valo tous les samedis. Du coup ça fait vendredi, samedi, Valo. On termine la semaine par Valo et je trouve ça bien. Le meilleur moyen de s'améliorer. Alors Caillou, ils ont fermé. Tu vas pas me battre avec ça. A tout moment, on rencontre une horde et je suis niqué. Moi, au cas où j'ai boulement, mais si des sables héros, ils vont faire. Ouais, j'ai séisme. Faire des murs et les sables héros, c'est ça le problème. Pas le poison, il m'a fait double baffe quand même. Il y a des chances qu'il se prend pas. Bah, niveau 60. Rien super beaucoup. J'ai vraiment ouest qu'Arakaius a utilisé sa fermeté. Ah ouais. Il a OS Dracofeu juste avec l'âme de rock, ça me vénère. Dracofeu et l'âme de rock, c'est une grande histoire d'amour. Qui qu'il a? Moi je perds. C'est Rakaiu. Oh, je meurs avec les acquis. Oh. Ah, d'accord. Si je lance dernier recours, en plus, j'ai pas utilisé toutes mes compétences, ça foire.
j'ai pris dernier recours parce que c'est une précision 100%, dont une force à 130%, mais Météor avec 60. Météor a attaqué tout le monde. Et là, je viens prendre une horde. Putain. C'est ce moment-là où j'ai bien voulu garder Météor. Et pendant Slam, oh, je je sors Léviator et je fais Taze. Enfin surf. Tu vas voir, je peux arrêter de subir un crit. Qui a fait Damoclès. Normalement ça blesse le lanceur. Il avait tête de roc et je crois que ça bloque tous les dégâts physiques qui se fait lui-même en fait. Un amateur, je sais pas si c'est tête de roc. Singe, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Yo Fireboss, comment tu vas? En effet aussi, ça fait longtemps. Pardon. Ce qu'il a fait en mété. Oh, j'ai fait bien. Explosion, je meurs pas avec ça. Super. Et toi, je fais Pokémon Go. Ma journée de travail. Il reste à battre le dernier défi qui est Yann, le champion d'arène. C'est contre lui qu'on a perdu la dernière fois. Sinon, on aurait pu lancer un autre Pokémon, un autre jeu Pokémon. Autant finir celui-là, quoi. Commencer, autant terminer, quoi. La chatte de ce gravalanche de merde. T'as fait quoi? Il a fait boule et roue et il m'a touché 3 fois et m'a OS Draco. Là on a encore Léviator et Draco et la Kazam sur le max, ça sert à rien. Je ne suis pas potion, je n'utiliserai jamais. Dauphin. Donphin, pardon, pas Dauphin, Donphin. Il a fermé. Sur Dracaufeu, c'est un gros problème. Personne depuis un moment, j'ai terminé toute la grotte, comment ça se passe?
limite, je crois que les Zords, c'est les plus rentables. De quoi? Zords. Oui, oui, c'est totalement plus rentable. Si tu arrives à les tuer, bah bien sûr. Ouais. C'est une autre histoire, tu vois. Ring, il s'appelle Ring parce que tout simplement sur son ventre il y a un rond, ça fait la reine du sumo. Imagine, c'est vrai. Imagine. Après, la traduction japonais-français, c'est pas du tout la même chose. Hein. Après, ring, ça peut aussi faire référence à ring, qui veut dire cercle en anglais. Ah, c'est vrai. Meurs pas. Ouh, il est pas mort. C'est rare. C'est rare, faut le soulever. Quand c'est rare, faut le soulever. En gros, je veux dire plutôt c'est rare pour le souvenir. Je crois que Kiklis dans cette grotte a un taux de spawn très rare. Donc, oui, c'est faut le souligner. Donc quand on voit un, faut le souligner. Il va faire beau, j'ai pas trop le tuer. On va faire la merde d'arriver avec l'enfant. L'enfant, il a pu avoir fermeté. Ah ouais, le problème c'est que j'ai même pas touché une seule fois, tu vois, j'ai mis midlife. Mais le problème c'est qu'il a eu séisme donc. Le mec là dans la boîte, il a un rituel. Je vois derrière, dessus derrière, il a un Raichu. Quoi, ça qui est dépassé? Ah non, je vois carrément le Raichu. Ok. Carrément. Yo Raichu. Ah, ça piquait dessus ça? Il y a un mec que son Pokémon met un tir nocif. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en termes de taille, c'est pas réel, tu vois. Parce que le tir de cycle a la même taille que le dresseur. Non, mais peut-être il a été réduit. J'espère. Pokémon un petit peu comme Nidoking, sauf qu'il est vert. Je sais pas comment t'expliquer. Tu tapes tir de cycle sur internet, tu vas faire. Ah oui! Je me rappelle plus de sa base, c'est ça le problème. C'est un petit. Je vois sa base, mais je pourrais pas te dire son nom. Ah, c'est ça. Infect, base, Umbrelex. Umbrelex, voilà. Thank you.
J'aimerais bien avant de tenter la ligue que Bakufu atteint un niveau 60. 60? Ouais. Je sais même plus c'est quoi la première le premier. Ah c'est pas type glace avec un Fagados. Type glace hein, mais c'est principalement typo hein. Ouais. J'ai trouvé une super bol. Ouais j'ai fait ça aussi. Ah, fais gaffe, il paraît qu'il y a un matchupper qui traîne dans une grotte. Ok, bah je vais coltiner un petit Machoc, ça va pas le faire ça. Parce que Machoc, c'est un enfant. Oui. Faut le voir comme ça. Tiens, en parlant du matchupper. Ouais, je vais vous présenter un ami Blaze, il s'est un peu coltiné un petit peu à Machoc. Ah, oh, il y a un petit Pikachu. Pikachu femelle. Ouais, on voit bien la forme de cœur, même si il nous fuit derrière. Même si ça pixel. Même si c'est des pixel art, on voit la différence. Niveau 62, Dracofeu apprend un peu de feu. Ouais. Ça blesse en contre-coup, mais ça fait 120 de dégâts. Je vais tester l'arène. La ligue. J'attends que mon Dracofeu tombe KO. Sur madame, je voudrais tester conseiller 4. Oh les gars. Un Arbok, tiens donc, ça fait longtemps ça. J'ai déjà croisé 3 mais bon. Et c'est mon premier que je croise aujourd'hui. Roule pour le moment. Hein? Tu roules pour le moment? Ouais, ouais. Bah, plus du tout. Oui. Bah, Nikutu a OS mon Pokémon. Elle a OS et puis fleur. What the fuck? Attends, il y a je sais pas combien de niveaux de différence et tu te prends que ça? Wesh. Oh, je suis mal barré. Mal barré, moi. Putain, Colossinge, tu l'as fait. T'as battu un Loclas. T'es un petit peu affecté par les dégâts, mais on va pas dire au point qu'il était près de mourir.
Voilà, que tu réussis à survivre, je te dis bonne chance. Hein. Perfect Plasma, vu que là il a sorti Flagados. Et je vais faire. Ballon. J'avais son nom en anglais. J'avais Shadow Ball. Déjà son dernier à lui. Ah oui, c'est Crustabri. Ok. Olga, battu. Suivant. Ah, au suivant, c'est simple, tu mets Dracofeu, ouais. Et c'est surtout Vol qui va être utilisé, quoi. Ah, c'est ça? Ouais. Aldo. Ça c'est le bruit d'une horde. Une horde de sablero. Putain. Oh purée. Les sablero sont faibles contre quoi? Les types sol? Sol. Bah ouais. Bah ouais, what the fuck, réfléchis. Vous me demandez pourquoi Tartar s'est pas fait OS par Vol. Il y a son type O qui est un petit peu qui règle un petit peu les problèmes, tu vois. Ouais. Mais bon, en deux tours, c'est réglé, quoi. C'est pas type sol. Ah ouais? Il y a une petite citrus. Quinze HP de Dracofeu. Ouais, il frappe en premier, d'où? Bon, Malconnier. Ah bah ouais, Ectoplasma. Psycho, c'est efficace? Oui. Ah yes. Je suis en train de faire de cela, putain, mais Sablero il est faible contre quoi? Regarde, t'as des types. Seul. Bah donc Roche. Oh, j'ai pas de type. En défense, un type sol. Et l'attaque. Sol, eau, plante, glace. Ouais, j'ai aucun de ces trois là. T'as Dracofeu, ouais, tu vas crever. Allez, prends dans au moins un. Plus dans Slam en fait. Et personne Fabri? Oh si, y'en a un, mais bon. La plupart de fait des autres font dans Slam. Ouais. J'ai compris que je m'envole beaucoup, du coup ils se disent au prochain on fait Abris, on fait Sam. Slam, la défense, l'attaque de Sobléro a augmenté à son maximal. Yes, tu as fait point à glace. Oh, t'as peut-être tué une île de King. Mais tu oh, j'ai pu prendre la fusion. Oh, j'ai pu me barrer. Il en souffre du poison. Bon, je sais que dans le prochain Pokémon qu'on fera, moi, je pourrais pas me barrer parce que je serais condamné, quoi. Ah, mais vos Pokémon qui combat sont faits face au psycho, sont face à psy. Alors, le prochain, c'est Agatha. Ça, c'est gros problème.
Ah, Agatha, je sors, je passe avec Alakazam qui fait des attaques type psycho. Qui fait des attaques type psy. En gros, moi, Alakazam me permet de passer le deuxième et le troisième conseil. Agatha, c'est juste un problème pour moi. Agatha, c'est un problème. Et en plus, elle annonce ne s'en faire dès le début. Mais il veut pas crever le Flagados là? Voilà le problème. Ah putain. Faire un plus HP. Il faut faire plus de vitesse, c'est grave. Ah, un crit, mais ça suffit pas pour tuer. Dommage. Oh la pute. Magie rêve, le problème. Elle a envie. Rêve tout. Oui, bon, du coup, elle est libérée. Docking, c'est un gros problème. Mais qui pourrait bien taper les Pokémon d'Agatha à part Nidoking? Parce que sur vous, je vois pas vraiment bien taper en vrai. Vas-y, je dois Nidoking. Un HP encore! Guérison. Ah vas-y. Le King qui fait, il fait rien. Il fait rien, magie rêve. Ah il a, bah il a une station. Ah, il a envie. Elle va sortir Magie Rêve. Ah non, elle sort son Arbok. Je vais me prendre un game over, tu vois. Hein, c'est qu'à la deuxième guérison. Ouais, il me reste plus magie rêve. Ouais, chaque mètre on a deux. Ah, c'est ça le problème. T'as un problème avec un Lipoutou. Je peux te dire qu'il y a un moyen de battre un Lipoutou simple. Lipoutou est faible contre les attaques type. Ténèbres et sombre. Oh, j'avais oublié que Magie Rêve avait lévitation. Hein.
Non, je perds. Oh yes! Oh putain, ma cogneur esquive et vole. Sérieusement. Ça m'a one shot les lames de rock. One shot! Ouais, truc au feu, même ici niveau 62, t'inquiète pas, il se reste. Ah. Tout ce que je voulais, c'est pas perdre la Kazam face à. Putain, c'est de merde. Non, je sais qu'il y a plus glorieux qu'enfin, hein. Il y a plein de psychos, mais j'en ai rien à foutre. On est là pour, on n'est pas là pour bouger. Agatha. Christy. Lol. C'est vrai que Peter Drakofeu, j'ai totalement zappé ça. Et sur ma girafe maintenant. Ouais, c'est fait moins de choses. Pas d'accord. Y'a plus de respect. Ma girafe c'est fait one shot. Ouais, ma girafe c'est fait one shot. T'en as de la chance toi. La Kazam. Mon monte en qui. Neige s'est arrêtée. Idiot frère, tu aurais pu survivre, t'as coup de feu. Sur boule, c'est sérieux, t'as la trouille. Voilà, bah voilà, tu te fais niquer à cause de ça, putain. Trois Pokémon. C'est pas les trois meilleurs. Ah oh, putain. Ça me pète les couilles. Il a eu trop de chat, ce Peter de merde. Allez, bientôt, je commence. Et puis fort, pourra pas faire des Pokémon à lui tout seul. Surtout, il y a un Dracolos intérieur. Bah tiens, parle du loup. Parlant de Dracolos. Peu efficace. Bah bonne journée. J'ai perdu.
T'as rien joué. J'ai perdu. Il est tout ça par le chat parce que tout simplement il a sorti l'aviateur dès le début, j'ai pas pu l'attaquer. Envie de farm, ça me pète les couilles de farm. Ah putain, c'est que juste les couilles. Juste trop long et chiant. Tout ça pour un niveau 62 qu'on pas peut pas battre après. C'est au niveau 62, on peut rien foutre après. Putain. J'ai plus envie de jouer, ça m'énerve. Ah, ça me saoule. Je finis ce Pokémon, mais pas sûr que j'en fais un autre. Putain. Ah, pareil, pareil. Allez, oui, je sais qu'il a utilisé sa B pour son pouvoir. Oh, bizarrement, il esquive là. Putain de merde. Oh, je vais faire de la vie. Je suis sauvé par tous les types de combats, c'est grave. Pas que hein. Oh non, il sert à rien. Juste il sert à rien. Mais depuis quand je Pokémon c'est stabé? C'est n'importe quoi ça. Ouais. Dernière branche du jeu qui nous pose problème quoi. Le tout dernier. Ok, d'accord, c'est pas bizarre, mais bon. J'ai réussi à battre Peter. Ouais, mais il reste hier. Rose. Faut toujours qu'il esquive. Comme d'hab, bien sûr, hein. Faut toujours que ça esquive, hein.
Franchement, si c'est pour utiliser mon ma vive griffe et qu'après les esquives, c'est ça. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter. Enfin, ça ne sert à rien, je la suis. Noctali contre Pyroli, Vamos. Quelque chose quand même. Eh mamie but. Oh là là. Braque au feu, meilleure solution. Enfin, pas trop cher. Allez, change de Pokémon par Arena Stock, j'avais oublié ce Arena Stock. Et je lui enlève Rhinostock pour mettre Tortank. Je peux rien. Petite guérison sur le Class Spectre. Je ne galère pas déjà assez. Peut quand même le retirer. Ah oui, c'est vrai qu'il met une. Ah oui, c'est vrai que. Ah, c'est vrai qu'il a une baie, Rhinostock, qui tient, qui le réveille instant. T'as raison. Allez, refais repos. Là, t'as plus ta baie de merde là pour te réveiller. C'est dingue, c'est que. C'est dingue, hein. Nos Pokémon, c'est niveau max, hein. C'est galère. La stratégie, j'arrête pas de se grimper, mais. À un moment là, t'as plus d'idée quoi. Là, il utilise une guérison et du coup, ça va le réveiller, bien sûr. Mais pas les poutous, par pitié, mais pas les poutous. Non, je voulais dire Flagados, mais mes Flagados. Et Flagados, c'est censé faire assez pif. Oh, mais il spam le repos. Je peux rien faire. Chaque fois qu'il est au bord de crever, il se remet en repos. Je m'en fous, là, il a plus de guérison pour le réveiller. Ah si, il en a deux. L'exemple en question. Il a utilisé un guérison. Ouais, c'est son deuxième. Moi, j'ai juste de battre Olga là. Encore le repos. Mais là, il a plus de guérison. Par contre, là, il en a plus. Il m'en sort un de son cul, j'en cause, je comprends pas. Ça veut dire qu'il triche et qu'il ne respecte pas le conseil des 4. Bah, celle-là, ça s'appelle plus le conseil des 4, ça devrait s'appeler conseil des 5. Ouais. Je sais pas, mais je le pose juste là, les développeurs. Hein. Je peux changer le nom, faire un MP. N'hésitez pas. T'es réveillé, un film de rock. Il m'a one shot, je perds. Allez, The King, il lui reste un poil de cul. Allez, tu peux le battre. À la Kazam. Évidemment. Le problème. Putain, pourquoi j'avais oublié. Et one shot, New King, bah ouais.
J'ai pensé à une stratégie pour pas que son Pokémon, même si ils sont passés par niveau 62, d'acheter des vitamines. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe qu'on a plus de thunes? Ouais. On peut pas prendre de vitamines. Ou je prends une Red Bull. Je fais boire une Red Bull à mon Dracaufeu tous les matins. Ça a fonctionné, hein. Ne rigolez pas. Ce n'est pas la maltraitance de Dracaufeu. Vous pensez qu'au Dracaufeu de Diane, il est sous testostérone, hein? Bah ouais, normal. Il a pris de la taurine. Plasma fait 1v3. Ah ouais, mais attends, reste à la Kazam. Ouais, sort la Kazam maintenant. Il est sorti. Allez, ballon, tu peux le one shot s'il te plaît. Psycho, non. J'ai envie d'arrêter de live. Hein. Je ne peux pas gagner. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Pourquoi les stabé niveau. Pourquoi les stabé, hein? Question. Pourquoi les stabé sur ce jeu de merde? Allez, attends. Allez, Pokémon là. Niveau max. Vous allez voir, il n'y a pas de niveau max, hein. L'avoir, il vole. Il y a 4 guérisons. 4 guérisons de la... Ouais. Impossible. Mais Stabi niveau 62, c'est impossible. Pokémon principalement sur niveau 62. Ok, mémorise tapé. Non, sérieux? Parce que en fait, c'est marqué si vous choisissez Salamèche, vous pouvez combattre un tank niveau 63. Mais on est loin du niveau 63, là c'est 150. Ah non, parce qu'on est niveau tapé niveau 62. Ouais, voilà. C'est impossible. À part acheter masse, vitamine, je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein. Tu as acheté des vitamines? C'est l'as de Paul. C'est l'as de Paul. Je suis pas sûr si je peux les acheter. Tu montes, c'est au deuxième, troisième étage. Je vais utiliser une guérison, tu vas voir. Voilà, tu fais les masses charge VS. Tu fais masse charge VS juste pour gagner de la thune. Les mines, ça coûte cher en plus. Pas loin. Bonne. J'ai guérison. Putain, je suis en étage trop, c'est ça? Deuxième ou troisième, je pense. Troisième, c'est pas. C'est où il y a attaque plus, PV plus, un truc comme ça.
quatrième étage. Et c'est pas des vitamines. Ah ouais? C'est des consommables lors des combats. Oh, c'est de la chier. Du coup, ça coûte une blinde pour être juste utilisé, quoi. Ouais, si regardez, tu ne peux pas avoir de vitamines. Aller jusqu'à Yann, c'est pas un problème, même si j'ai quelques lacunes sur Peter, je veux bien l'avouer. Mais voilà, mais bat Yann, c'est juste un. Non, je peux pas battre Yann non plus. Lance Draco feu direct sans coup devant lui. Ah, ça m'énerve. Techniquement, il m'a lancé un sort de feu vu que j'y avais que. Bah ouais, lance-lame. Il y avait sort boule devant lui. J'ai encore des super bonbons. Ouais, mais 62, comment veux-tu dépasser 62? Ce que je veux dire? Tente de lancer un super bonbon sur. Je sais pas, sur un Pokémon niveau 62 pour voir s'il peut dépasser. Ça marche pas? La double attaque type Pierre, c'est juste. Putain de ta gueule! Niveau 62! Mister S! Putain de merde! Putain, c'est vraiment de la merde! C'est chier! Je peux t'acheter au centre commercial de salade de poil, mais je suis. Non, c'est bon, j'ai perdu, nique ta mère! Il y a d'autres magasins? J'ai vraiment envie d'arrêter! J'ai vraiment envie d'arrêter! Je commence à me courir! Oui, t'as des jeux de merde! Non, mais franchement. J'ai plus de plaisir! Ouais, et on peut pas acheter. Et le wiki dit que je peux acheter des protéines. Et là, je peux pas acheter de protéines. Je peux pas acheter des protéines dans le distributeur. Non, je crois que je peux acheter que de l'eau. Je peux mettre face à Yann. Je peux commencer par quoi? Draco feu.
Gaume et Dracofeu. Noix de coco, j'ai lancé Dracofeu. S'il te plaît, déflagration et pas assez que je l'OS. S'il te plaît. Super, je me suis fait un acquis 600 balles dans l'histoire. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais là, 100%, 100% de chance qu'il passe. J'ai pas de chat. Allez, qu'au moins un de nous deux finisse Pokémon rouge. Ouais, le vieux il me dit que je peux acheter des calcium, etc. ici. Attends, à la Kazam il fait sensible face à quoi? La Kazam est sensible face à quoi? Attaque type spectre. Spectre, d'accord. Ectoplasma, s'il te plaît, viens là. Spectre et ténèbres. Il va faire soin. Attends, ectoplasma? Non, je sais que. Ouais, j'ai mis ectoplasma. Ectoplasma il est faible quand les tactiques psy. Il attaque avant. Il est mort à la Kazam. Au moment j'ai juste perdu Dracofeu et il lance Tort Tank. Là c'est le problème. C'est ça les poupées poké. Apparemment pour fuir dans un combat en toute discrétion, je peux leur donner une poupée poké. Ça coûte quand même 300 balles la fuite. Ok, il y a Tort Tank. Je vais mettre Epiflore. Je vais faire. Non, pas Tempête Verte parce qu'on va éviter de. Donc, vous voyez Epiflore à mort. Quoique, ça va être juste attaque spéciale. Tempête Verte. Tort Tank est mort. Ok. 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 Roucarnage. Carnage, c'est un problème. Non, pas chez moi. Il fait retour, etc. Pas chez moi. Coup de feu, ça blesse son lanceur. Ouais. Il reste plus que Dracofeu. Ah non, c'est Arena Stock. Attends, il n'y a jamais eu Dracofeu? Si, bah si, il a déjà eu Arena. Bah non. Oh, tu veux que je te dis qu'Arena Stock il est faible contre quoi? Ouais. Les attaques type combat. Ouais. Sol. Il a des attaques. Avec Nidoking, j'ai tiré. Sol les combats. Ok. En fait, parce que là, je t'explique. Il a eu Roucarnage, Pyroli, ok? Tort Tank, Alakazam, Bois de Coco. Il reste plus qu'Irina Stock. Non, toi. Moi, il reste Ectoplasma, full vie. Epiflore, full vie. Putain, j'arrive plus à parler. Comment il s'appelle? Niveau 62, il fait point poison quand il se fait attaquer. Et il est full vie aussi. The King, c'est un problème parce qu'il peut être sur one shot. Rhinostock, son problème, c'est. Il a repos. Et il tient une baie qui se réveille instant.
fait ça, il... Ah merde. Ouais. Ça, ça fait mal à Kazam. Ah, il fait pas si tu plantes. Fils de fils de mort. Ligue avant moi. Oh putain. J'avais un Pokémon plante, ça a beaucoup aidé. Oh. Merci pour votre franquette, Boulaz. On a fini Pokémémo. Est-ce que j'ai réussi à les autres? Non, bien sûr que non, parce qu'il y a un niveau max. En fait, avant de créer son équipe, regardez qu'est-ce qu'elle a le dernier champion de la ligue, tu vois. Pour bien être entraîné. Merci dire Colossinge que c'est lui qu'à chaque fois je devais changer un Pokémon. Il se faisait sacrifier, il était niveau 55. Non, je passe pas les machines, vous êtes malade. Rencontrer niveau 4, wesh. Écoute, le 20 octobre. On dit un truc. Je combats une fois. Si je perds, t'as gagné Pokémon. J'ai un seul try. Est-ce que j'ai fait beaucoup d'évolutions lorsque t'as fait les tries? Non, pas du tout. J'ai joué 34 heures. Comment? Pourquoi je suis à la maison? Tous mes Pokémon sont off à Paris, Piflore et Irina. Pokémon qui est en dessous niveau 62. Et... T'as fait niveau 62? Ouais. 4. 4? Ah ouais, d'accord. Ah, il m'a fait tonnerre. Le classe à tonnerre. Résistance max, niveau 100. Ah ouais, quand tu combats la ligue, c'est niveau 100, bien sûr, maintenant. Et tu peux rebattre les champions d'arène pour... Stalactite, c'est super efficace. Je vais trancher. Oh, bah il est mort. Et le King est mort avec que des stalactites. Super. Il avait 161 HP. Le gros problème, c'est qu'en fait, j'ai eu un bon try. Il m'a lancé directement une noix de coco. Putain. Ah, c'est bon, c'est ma dernière tentative sur ce jeu là. Bon. Allez hop, fermez Pokémon, on va le rouvrir. Putain, merde. On va aller chercher un jeu à faire. Full détente, tu vois. Ouais, faudrait trouver ça. Comme j'ai dit, hop, je tente.
cicatrice. Laser glace. Oh, dans le tunnel. Je sais pas pourquoi, mais... Gados est sensible à Ballombre, je crois. Ouais, Ballombre et Griffombre et Machouille aussi. Et aussi Fibre Obscure. Ouais, ouais. Ténèbres et... Avec une morsure, c'est Ténèbres. Salut Prokédex TV. Prokédex. Bizarre de nom. J'avoue. J'ai quand même jugé ton nom. Comment ça va? Le pays est tellement faible en termes de level, il est level 55. One shot, même pas un Flagadès. Enfin, ouais, toi, one shot quand je parle de c'est les mid life. Hein. Je comprends même pas pourquoi. Les mémos mais un stabage de level. Comme c'est écrit, j'avais 35 heures de jeu, j'ai seulement réussi à battre Chien avec un coup de chance parce qu'il a réussi à bien lancer les bons Pokémon au bon moment. Sinon, Pokémon MMO, c'est vraiment un jeu vénère. À part le problème de Yann, tout va bien. Parce que franchement, s'il n'y aurait pas un stabage de level, Yann serait qu'une histoire de gâteau. Mais bon. La première fois que je faisais Pokémon Rouge, je m'attendais pas à Yann. Il faut que je m'attende à plus de problèmes. On est à où? Maître Karaté. Maître Karaté. On a qu'on fait niveau 60, c'est ça? Ouais. Je te jure, je pense pas que ça va passer. Hein, t'as beaucoup de Pokémon avec niveau retard. Hein. Déjà que éboulement POS Dracaufeu avec mon Dracaufeu niveau 62, c'est pas le problème. En vrai, le problème avec Tétard, c'est qu'il fait de double shot. Il est stabé avec son O, donc il se fait pas OS par vol, tu vois, il est pas x4. Ouais, ça, ouais. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre à deux fois. Tandis que les autres, ils se mettent x4 en petit vol, hein, y a pas de problème. C'est juste le petit problème. Le petit problème de Tétard. Tétard, non, Tétard. Tartare. Ouais, mais j'ai tout fait. Pokémon type acier roche, si tu fais déflagration ça peut passer, mais il a fermeté. Ça, il vient de mettre. Là tu fais un petit dernier attaque qui est très peu efficace et... Tu sais que l'âme de roche, je suis mort. Oh non... Tu dis que c'est l'âme de roche? Ouais. Arlo le fils de pute, tu dis que c'est... Arlo, le fils de pute, utilise une guérison. D'accord. Et ça n'affecte pas les viators. Bon, bon. Ah oui, j'ai changé hein, dès que j'ai vu que qui c'est ça. Avance devant la ligne Pokémon, sont zerf, ils savent même pas faire une ligne droite. Quand ils savent faire des lignes droites, ils bougent plus. Tirez.
Freddy D4 qui fait des heures sup, il est 22h17, il travaille. Les heures sup. Ah oh, putain, l'aviateur, il a la trouille. Bluff, je veux bien qu'il a la trouille, mais prendre un éboulement dans la gueule, après il a la trouille, franchement, il faut pas se prendre la gueule. Ouais, ça c'est le problème. Ça choque plus personne de toute façon. Hein. Ouais. C'est au moins gagné au moins la ligue. J'arrête celle-là, j'arrête après. Ouais. Je suis devant, je fais rien. Je peux parler du cri et je trouve que le cri d'ectoplasma et dracofeu se ressemble assez proche. Ah mais la lévitation, putain. Pour battre Smogo, ça ou Magie Rêve? Non, c'est ça. Battre Smogo, il est faux sensible face au psycho et ballon. Eh, mais c'est ça le problème. Je vais pas sortir ça parce que c'est trop simple. Sinon, moi la Kazam est déjà niveau 62. C'est bon quoi, merde. Et ton ectoplasma? L'ectoplasma, c'est pareil. On s'en fout si c'est simple. Le but, c'est de gagner. Mon but, c'est de moins de level up les autres. Avant d'atteindre le problème. T'as dit quoi, Balombre? Ouais, c'est attaque. Non. Spectre et ténèbres. Non. Non, ça marche pas au ballon. Sérieux? Go, c'est go. Quoi qui sont si facile? Sans plus pas qu'à cause, go, go, merde. Mais c'est merde. Psy, c'est tout, c'est psy, point final. Psy. Il level up à la Kazam grâce à ça en tapant contre des motards qui avaient que des go sur la route. Ah ok, d'accord. La fameuse speed cyclable. Ah oui, celle qui Je sais plus. En tout cas, Ballon, bah, il fait plus mal que Griffondre. Ouais, c'est la route 17 à côté de Sladopol. Sladopol et Farmani. J'ai l'impression que tu joues des combats, il y a toujours une nouvelle attaque qui se rajoute. Toujours. Avant, avec ton plasma, il avait pas tonnerre, maintenant il a. Il avait toujours tonnerre dans ton moveset. Ouais. Magie Rêve, vraiment, là je te jure, c'est pas l'ombre et ah merde, j'ai pas one shot. De mettre des dragons partout. Moi j'ai commencé par Dracofeu, je crois. Il spammera pas ce fils de chien.
Arbok. Arbok, j'ai encore Drago Feu, donc Et Psycho, ça passe. Oh. Ah, t'as pas Psycho sur... avec ton plasma, non. Merde. Dommage. Oh, Drago Feu, s'il te plaît, me lâche pas à ce moment-là. Pour prendre Drago Feu, si on perd, on a fait toute cette aventure, mais pour rien. Littéralement. Bien sûr. Ah, j'ai tout donné en Dicarbox. Des vitesses plus et des défenses plus. Oui, c'est vrai. Mais ça, je sais pas si je peux les utiliser hors combat pour que ça soit. Oh merde! Akira? Ouais. Oh, merde. Sauf que tu sors, il a éboulement. Et justement, j'ai lévitation. Non, éboulement. Voilà, celui qui prendrait moins cher d'éboulement, bah j'irai. Allez. On va là-bas, toi. Il y a rien de toute façon dans ce moveset pour battre cela. Il a pas pris si cher. Ouais, pas très efficace, quoi, de fuck. Là, il va prendre cher. Oh merde. La table qui pose, c'est efficace. J'avais totalement. Je l'ai. Il est plus gelé. What the fuck, le GG, il est plus gelé. Oh putain de merde. Quoi? C'est ça qu'il aurait pas dû être. Ouais, parce que t'as un petit peu cliqué vite. Un miroir. Allez, tu peux rendre confus ici. Pas confus. Hein? Au monsieur, il y a une attaque type plante. Ouais, bah ouais, il a. Ouais. N'importe quoi. D'utiliser au moins une fois toutes mes compétences, c'est-à-dire que de fer, vivre cuir et pas l'ombre. Voilà. Et ça fait 130 de dégâts. Voilà pourquoi tu as fait ça surtout sur. 130 de dégâts et c'est 100% précis. Ok, d'accord. Bah oui.
C'est une attaque qui lance. Ouais, mais il est pas faible. Ouais, c'est... Il y a son type ténèbre qui le tank. Ah, il y a son type pro qui le tank, son type dragon. Le dragon est pas faible contre les types lance. Excuse-moi si... pour moi... Léviator n'est pas un type une petite plante. Type eau, tu vois. Vas-y, il est eau dragon. Ah, il est pas ténèbre? Non. Ah, ok. Fais chier. Lame d'air. Ah ouais. Ah, je croyais dans un clit. Oh, allez, bravo, t'as gagné Pokémon. Allez, comment je dis ça? C'est quoi? Le dernier des derniers batailles? La dernière d'air? Trop près, j'arrive pas à mettre moi à la case bien. Classe, ok. Tac. Mais c'est même pas le bon. Le mec qui est à côté, il y a le Sonic. Là. Ah ouais, c'est sérieux. Pas sûr qu'après ce live là je refuse Pokémon Go dans l'immédiat. Ah, quand j'ai lancé le live, j'avais vraiment pas envie de lancer le live. J'avais pas envie de lancer Pokémon Go. Dernier des combats. Ouais. Blaze contre le champion what the fuck. Ah, alors oui, Noctali est peut-être bas level, mais t'inquiète pas, il résiste avec un HP et 3 HP parfois. Là, il a résisté à combien? 3 HP. Les doigts comme au Colossin, j'ai peut-être niveau 55. Mais il a quand même tué des Pokémon dans la ligue. Hein. Ouais. Bah oui, je combat. J'avais totalement zappé. Ah là, la vie griffe. Ah là, ça, c'est bon. Ah ouais. Même pas un petit crit. Pour info, Dracochak il a une puissance de 85. Tiens, je crois que ça a une puissance de 100. Ouais. Non mais c'est... condamnable, c'est tout. Il a rien fait. Non mais moi, j'ai juste condamné. Ah. Pour donner une idée, c'est une puissance de 90. Ok. Ouais.
Ah putain. Oh yes. Ah il a esquivé. Techniquement, Zygote, c'est petit stalactique pour ses mains là. Hein? Parle de symbole, Zygote, c'est stalactique qui est à côté de lui. Pour ses mains. Mmh. Oh la vache, mais putain, j'avais casse-briques. Ah bah ouais. Sache que j'ai la roche royale qui m'a servi à rien dans la ligue. Oh pareil, t'inquiète. Je savais même pas que Ballon vous pouvez baisser la défense spéciale. Ah oh ouais d'accord, y'a. Le problème c'est que j'ai ma tempête de neige donc c'est des fois 4 pour les. Tu vois les tactiques glace. Oh d'accord, j'ai. Allez. Avec ma cuillère tordue c'est bon. Ah bah ouais. Même pas confus. Ah crit mais même pas mort. Oh. Dans un monde ça passe. S'il vous plaît, dans un monde ça passe. C'est passé. Non mais allez, sérieux, c'est passé. C'est passé, sérieux. Ça changera rien que t'as fini Pokémon moi avant moi. Ouais. Bon du coup, hop, on change de scène. Faudrait juste qu'on trouve un autre jeu à faire mardi. Full détente, pas prise de tête. Palworld. En tout cas, j'espère que cela. Oui, parce que si j'arrête ça, parce que faut que j'arrête Pokémon, moi ça fait crash mon stream là, par contre. Ah oui, 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 totalement. Après, j'ai au moins un de nous deux l'a fini, tu vois. Ouais. Moral. J'espère que cela vous aura plu. Je remercie 00Cathy Indispert, 0Sophia, 8HG, Desesperate Girl, Alice Adra, donc Drastin, Marzink, Reguez et Sukoxy d'avoir regardé le live. Je remercie 0Cathy, 0Sophia, 8HD, Right Girl, Aicedra, du Dr. Fever, Dunk7, Rathnat, Mark Zink, Regrace et Sukoxy d'avoir regardé le live. Du coup, prochain live, c'est demain. On va jouer à Warframe. On va continuer, je pense, à farmer les reliques. Hein, du coup, faut qu'on le farme et faut qu'on le sort avant qu'il passe en sous Prime. C'est ça le but, en fait. Ouais. Et à plus pour notre prochain live. Yolo! Yolo!